Tu vas bien, Ké? Hé, ma bobby, ça va? Super! Salut, Pierre! Hé, mon vieux pote! Ouais! Ça va la vie, Rémi? Salut à vous, mes chers camarades! Bien, 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 bien! On se calme! On se calme! Merci infiniment! Ok. J'imagine que vous avez dû avoir vent de cette fameuse histoire de méchants qui volent des pyramides, c'est vrai. Dit comme ça, ça fait de l'effet. Il y en a même qui prétendent que c'est le coup du siècle, ce genre de choses. Mais suis-je contrarié? Non, je ne le suis pas. Si, un peu, mais... Nous-mêmes n'avons pas à rougir de notre bilan annuel. Et mes chers petits gars, vous pouvez être fiers de vous. Non, pas d'augmentation. Non, il n'y a pas d'augmentation. Non, 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 non. Récapitulons bien. Nous avons volé l'écran géant du stade de football. Et quand même, hein, c'est pas de la gnognotte, ça. Ça vous plaît, le football, sur ce truc-là, pas vrai? Et ça, ce n'est rien. Nous avons volé la statue de la liberté. Et la petite, celle de Las Vegas. Et je ne vous parle même pas de la Tour Eiffel. Oh, si, celle de Las Vegas. Bon, ok. Je n'avais pas l'intention de vous en parler si vite, mais je travaille depuis quelque temps sur un projet tout à fait grandiose. Un projet qui réduira cette histoire de pyramide à du bricolage. Car grâce à l'acharnement de mon excellent ami, le professeur Nefario... Merci à tous! Et le voilà toujours aussi stylé. Donc, nous avons localisé un pistoréducteur dans un laboratoire secret. Lorsque nous aurons dérobé ce pistoréducteur, vous et moi, nous aurons enfin la possibilité de réussir le coup du siècle. Mes amis, nous allons voler! Du calme! Attendez, après une minute! Je ne vous ai pas encore dit de quoi il s'agissait. Hey, dis donc, Danny, t'écoutes quand je parle. Et donc, vous et moi, nous allons voler! Petite pause pour le suspense. La lune!